Hey YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous avez bien, on est back aujourd'hui, messieurs dames, pour une nouvelle session sur Naruto Storm 4, peut-être la dernière. Et on commence aujourd'hui avec la première partie du combat contre Kaguya, Otsutsuki, la déesse brutale. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé la dernière fois, du coup, sachez que Madara est dans un état critique, s'il n'est pas mort en vérité, puisque Zetsu Noir l'a trahi. Zetsu Noir qui en fait, depuis le début, œuvrait dans l'ombre de celui-ci, pour, au dernier moment, lui mettre un coup dans le dos et ainsi ressusciter Kaguya. Bah, celle qui a donné naissance à Rikudo, qui lui-même a donné naissance au chakra. Donc, à toute forme de shinobizerie. Donc, voilà. La suite s'annonce bien. Cette première partie va durer 21 minutes, messieurs dames. Autant dire que ce sera l'intégralité de cet épisode. À moins que on ait de la chance, et vous ayez de la chance, peut-être que je vais faire les deux parties en un seul et même épisode. C'est parti. Otsutsuki Kaguya. この人があの陸道仙人の母。こやつら二人。羽衣と羽村。 違うよ、母さん。奴らはナルトとサスケ、二人の転生者さ。黒絶。あいつ、雰囲気が変わった。<笑>ようやくだよ。ようやく母を復活させ、母の元に戻れた。てめえは、一体何者だ？子供さ。 母カグヤのね。どういうことだ？貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人、羽衣と弟ハムラの手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。 なんでおじいちゃんがそんなことを？封印したのはジュービだろ。お前はジュービのことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。ジュービはカグヤだった。 それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけに、お前はマダラに近づき、利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し、無限つくよみへと導いた。 大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが、母を復活させる唯一の方法だったからな。まあ、もっとも、俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫、 内派一族も俺の思うがままに操作した。人も、意志も、伝承も、歴史も、お前は本当に、すべてを利用したというのか。それが俺の存在理由だからな。母のいない間のすべてを記録し、その間を俺が作った。そう。 つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は、母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞ。ね、母さん。ああ、そうか。 ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。
母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、わかってるな。お、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。Compliqué ce qui se passe, hein. Déjà, quoi qu'on dise, du point de vue de nos personnages principaux, ça donne quand même l'impression que c'est Zetsu Noir qui contrôle Kaguya. Alors que Zetsu Noir fait partie de Kaguya. Très étrange. Ma foi, à ce moment-là, quand tu découvres le personnage de Kaguya, si tu fais un petit peu attention aux détails, tu te rends compte qu'elle a quelque chose d'un petit peu particulier. Ses yeux. Est-ce que vous l'avez remarqué ? C'est le Byakugan. Et en fait, le Byakugan, bah, normalement, c'est de la famille des Hyuga. Mais du coup, d'où est-ce que ça vient ? Réponse prochainement. Et donc, messieurs, dames, parce que je vous rappelle qu'on avait subi quelques changements depuis l'épisode précédent, et grâce au pouvoir de Rikudo, qui avait conféré à nos amis, d'un côté, le pouvoir de l'ermite, et de l'autre, le Rinnegan, le troisième œil. L'œil capable de percer la réalité, les dimensions, l'espace-temps, et tout ce que tu veux d'autre. Elle pique Kaguya, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, je me doute que c'est le pseudo-boss final. Mais bon, quand même, tu vas te calmer, Micheline, hein. Non, mais des dents. En tout cas, tout ça pour dire que Zetsu Noir est mille fois plus expressif que Kaguya. Après, elle vient de se réveiller, c'est peut-être les temps que... Oula. Que mes mères, elles déjeunent, qu'est-ce qu'elle fait? What? On a changé de dimension! Oh, c'est stylé! Oh, c'est exactement comme dans l'anime! Sauf que du coup, ils ont interprété ça autrement. Enfin, je pensais que d'un combat à l'autre, ça bougerait. Oh, c'est trop stylé! J'adore! J'adore, j'adore. Alors, je reste avec Naruto parce que je préfère son style de combat, hein, encore une fois, en mode ermite. Mais par contre, je vais essayer de bouger un petit peu sur Sasuke dans un combo ennemi, hein, quand j'aurai réussi à le caler. Voilà! Ok. Bon, écoute, on va changer avant parce que... Attends, quoi? Technique secrète combo! Raté. Technique secrète combo! Mais... Yes! C'est une blague, la technique? Attends, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est une fucking blague? Mais du coup, voilà, c'est ça sa vraie technique. Qu'est-ce qu'on vient de voir il y a deux secondes là? C'était quoi tous ces hommes nus? Cette espèce de sexy jutsu masculinisé? Incroyable! Incroyable! En fait, c'était, vous savez, vu que là on approche du nouvel an du coup et donc des fêtes, c'est les pompiers, hein, ils ont distribué les calendriers, mais les calendriers un petit peu plus sexy pour... Oula! Pour les mères veuves. Ah! Non mais... Ok! Par contre, casse-toi! Elle est chaud, hein. Elle est digne d'un boss. Ok. Je me demande si Kaguya est jouable, en vérité, j'ai pas regardé. Après, c'est peut-être aussi un personnage qu'on déverrouille une fois qu'on a fini le scénar. Mais je me demande bien ce qu'elle vaut si jamais elle est jouable. Là, j'aime beaucoup ses déplacements. Pour le reste, je pense pas qu'elle soit plus pétée qu'un autre, hein, une fois que t'es en mode VERSUS. Ok. Même si, de ce que j'entends beaucoup, apparemment, il y a des personnages qui sont plus pratiques que d'autres. Ok. Notamment, de ce que j'entends, Hinata. Ouah. Mais c'est trop stylé. On fait tellement toutes les zones du monde. Parce que c'est grâce à son troisième œil, hein, du coup, qu'on voyage entre les dimensions et le temps. Même si je me pose quand même une question par rapport à tous ces décors. Le désert... La montagne, la neige, tout ça. Est-ce qu'on est toujours sur Terre ou pas? Ah, j'étais pas sûr. Donc le harem inversé, il est aussi dans l'anime. Parce que oui, ça me disait un truc, mais j'avais peur de dire une bêtise. Obito. Me ga sameta ka? Kakashi ka? Ore wa shinda hatsu ja. 簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。
そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのかぐやってのを止める？それは、俺とサスケが…消えた？影分身を維持できないほどのことが、本体に起こったってことだろう。動けねえ…くっそ…そいつらは、お前が手を出していいものではない。あいつ…オビト、ゾロゾロと…アマテラス！脱出するまで、まだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。Oh ? Oh oh ? Alors celle-là, c'est pas mal. Celle-là, je m'y attendais pas. Ok ? Je dis oui, totalement. Alors, quelqu'un m'a dit en commentaire que la version torsadée de Toby, du coup, n'existe pas en mode versus. Je suis triste. Je suis triste parce qu'en vrai, je le trouvais tellement stylé. En gros, la version torsadée, tu sais, c'est le Zetsu blanc, mais en gros, avec les techniques de Toby qu'on a affronté juste avant que Madara devienne l'ermite Madara. Je crois, enfin qu'il obtienne le pouvoir de Rikudo. Ok, alors attendez. Parce que du coup c'est encore un combat de boss. De toute façon je pense qu'avec Kaguya ça sera que des combats de boss. Même si ma foi ça manque de QTE. Et du coup j'ai ma réponse. Parce que je me demandais en fait si ce combat allait être assez stylé pour mériter qu'on le fasse. Donc je vous le dis, YouTube tu le sais déjà parce que tu vois dans le temps hein, tu as le Rinnegan, faut le savoir. On va faire les deux parties. Parce qu'il y a au moins deux parties pour ce boss. Si jamais il y a une troisième partie, bah écoutez, on fera le luxe de faire les trois dans cet épisode. Mais si jamais ce combat ne dure que deux parties, bah vous les aurez en un seul et même épisode. Comme quand on a fait l'histoire de Minato et de son équipe. Putain, par contre les téléportations de Obito, tellement stylé. Okay. Mais c'est chiant. Deux. Parce que t'es une femme, faut le savoir. Ok. Non. Blablab. Blablab, j'ai dit. Ok. Hein. Ah d'accord. Ok. Parce que son jutsu il marchait pas. Par contre elle frappe le sol, c'est genre pas pratique du tout. Miss Kaguya, je trouve que vous vous téléportez beaucoup. Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire la moindre technique combotée. C'est la merde. Ok. Allez, range durant S. Range durant S. Naruto et Sasuke n'ont pas fait. Voilà. Nous on le fera. Donc sachez que le point faible de Kaguya, c'est les jutsu ou... Ah ! De foudre, bordel ! Je prends cher ! Bon, bah le rang S, c'est mort, je crois. N'est-ce pas ? Non, mais... Ah, c'est pas vrai ! J'ai plus de permute, je joue super mal... D'ailleurs, quelqu'un m'a dit en commentaire sur YouTube que apparemment je jouais pas si mal que ça. C'est juste qu'effectivement, c'est par rapport à mes permutes que j'ai le plus de mal. Parce que j'ai tendance à trop les utiliser. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord. Je m'en servais pas autant avant, hein. Enfin quand je jouais pour moi. Mais c'est vrai que bon. C'est-à-dire que, ah, quand on joue que pour le spectacle, bah faut assurer le spectacle. Ok. Soy. Bordel. Gaz bonbon, hein. Ça passe pas bien, hein. Ça passe pas bien du tout. Ok, ok. Ah. Allez bien. Ah. C'est un combat de téléportation, hein, c'est compliqué. Ah, ok. Yes.
Non, c'est pas vrai. Allez. Ah. Et voilà, j'ai plus de permute. Alors que pourtant, ça se passait très bien. Hein. Ah, blablabla. Je vais mourir. Non, c'est une blague. Non. Me tue pas. S'il te plaît. Ok. J'ai raté. C'est une blague. Je sais pas où j'en suis. Ok. Bon, depuis tout à l'heure, je mets des coups. Mais je sais pas. Y'a rien qui passe en fait. Je comprends rien. C'est... Non. J'ai perdu. Je suis le dégoût. Ah ouais, alors peut-être que... J'étais obligé de perdre. Ah non. Donc j'étais pas obligé de perdre. Je suis juste trop mauvais en fait. Alors elle se téléporte autant qu'un joueur de DBZ. Non mais pire que ça. C'est même pas un joueur de DBZ. C'est DBZ. Enfin là c'est compliqué. Mais j'en ai marre d'utiliser Morpheus. Enfin c'est à dire que c'est sympa. Parce que voilà l'animation y est et tout et tout. Mais ouais c'est ultra dommage. Enfin c'est la deuxième fois là. C'est pas cool je trouve. Bon tant pis. Écoute YouTube. Sache que au moins je ne te mens pas. On a tenté de rattraper je me rappelle maintenant. Le combat contre Madara la dernière fois. Ça s'est pas forcément bien passé non plus, hein, donc voilà, sache que c'est mon talent véritable aujourd'hui. Talent qui me fait grave défaut, hein, c'est terrible. Oh, ok, non, j'ai dit non. Tu te calmes. De toute façon, je suis sûr qu'on va encore pas la vaincre. Ah, calme-toi. Non. Fou. Par contre, à la queue, les mêmes techniques, enfin, c'est-à-dire que... Miss Kaguya faudrait penser à se renouveler un peu. Zoï. Mais quoi? Alors je comprends pas, des fois quand elle fait certaines animations, j'ai des jutsu qui ne passent plus. Parce qu'on dirait qu'en fait elle n'existe plus. Ok. Ah, casse les pieds. Casse les pieds. Ah blop. Donc techniquement elle m'a pris 2,5 barres de vie. C'est fini. Et c'était dur. Rancé. Bordel. C'est dur à assumer hein. Nukedashita ka. Sanke, Obito. ここからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体が、おめえ。だが。 やつもかなりの力を消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。もはや俺に。 やつを倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも守り抜くこと。 なんて顔しやがる。俺はこれから向こうで凛と二人っきりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなく、 その人道を貫き通せ。まっすぐ自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい、ナルト。お前は必ず火影になれ。ああ。そして カカシ。 オビト。 お前は。
すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだ、なんだよカカシ。そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよカカシ。お前が見送ってくれればそれで最後まで。ありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと？どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ母さん、あいつらなんて。わらわのものだ。その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。Ok, il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, on va essayer de faire vite et comme ça on essaiera de tout résumer à la fin de cet épisode. Globalement, j'ai fait à peu près exprès d'être mauvais, hein. Je veux dire, quand je jouais Obito, Kakashi et Sakura, dans l'anime et dans le manga, c'est des personnages qui normalement face à Kaguya, puisqu'ils n'ont pas la puissance, galèrent. Donc forcément, j'ai voulu me la jouer RP, c'est pour ça. Quelqu'un a dit dans le chat de Twitch, bullshitomètre. Alors effectivement, il faut savoir que la fin de Naruto est ultra, ultra controversée. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup, il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout. Alors, je ne sais pas exactement si on parle de la fin, ou si on parle du passage Kaguya. Moi, il faut savoir que j'aime beaucoup la fin de Naruto en elle-même. J'aime tout l'anime, il n'y a pas de passage que je déteste plus qu'un autre, même si... il y a pas mal de petites annexes, pas mal de petites missions qui sont à côté et qui sont pas forcément nécessaires à chaque fois. L'anime en lui-même me plaît, le manga aussi. Après le manga, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas fini, je crois que j'ai fait un peu plus du 3 quarts. Donc peut-être que le manga se finit pas pareil. Après, où c'est que je voulais en venir? Cette transformation de fin... cette transformation de la part de Kaguya pour devenir le 10e bijou peut-être, enfin c'est... what the fuck? What the fuck? Enfin, c'est... Ok. Bon, allez, on ne perd pas plus de temps, messieurs dames, je vous l'ai promis. Deuxième partie dans cet épisode, comme ça, si je ne me trompe pas, du coup, la prochaine mission devrait être la dernière, et étant donné qu'on est à 87% de progression d'histoire, je pense que c'est ça. Mais surtout, je sais très bien ce qui va se passer, vous aussi, si jamais vous êtes là normalement, sauf pour ceux qui découvrent, bien sûr. Et du coup, je préfère que là, on fasse un épisode basé sur Kaguya, et... dans l'épisode final à venir, je pense. Ce que vous savez. Allez, on est parti, monsieur, dame. Par contre, oui, le rancé, qu'est-ce que j'ai foutu?
J'ai été RP. Voilà. En gros. J'aime pas. Enfin si, ça nourrit la diversité, donc c'est sympa, mais en même temps, les combats de titans là comme ça, je suis pas très très fan. Y'a quelqu'un qui dit dans le chat, Kaguya la déesse Kazma. Ah effectivement, dit comme ça, sauf que j'espère vraiment que la déesse Kazma elle a pas un espèce de gros fessier énorme, parce que va comprendre ce que c'est le machin derrière elle. Ok, donc, avec le combat contre Madara, cette fois-ci on a bien compris qu'on pouvait shooter, hein, parce que c'est une phase de shooter. Sauf que du coup, il y a des projectiles chelous qui suivent. Et ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que... J'ai pas fait gaffe. Il a perdu de la vie. Parce que j'ai tiré sur ses tentacules, mais... Yes! Il a perdu de la vie! Oula! Ok, ok. Ok, ok, ok. Bon, c'est pas mal large. Est-ce que je peux foncer? Soi! Non, je peux pas foncer. Très bien. Bah écoute, on va rester à distance. Ah la vache, par contre, je vois pas les flèches. Ça c'est terrible hein. Pourtant j'ai une bonne vision, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'éléments à l'écran. Si je fais défense, ouais, si je me protège, ça marche coup-ci coup-ça hein. On va plutôt essayer de jouer sur l'esquive. Mais genre la bonne grosse esquive. Ok 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 ok. Ah esquive. De quoi? Vraiment? Nani? Pourquoi j'ai bouffé comme ça là? Oh salaud. Oula oula. Qu'est-ce qu'il y a fait? Elle a utilisé ultra laser, j'ai tout vu hein. Ok. Corps à corps, corps à corps. Eh ben je vais rien dire, mais sachez que voilà, vous savez totalement à quoi je pense. Et pour l'instant, voilà. Non parce que en général quand je le dis, ça se passe plus bien. Donc je vais rien dire. Est-ce qu'il va B? D'accord, donc c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Surveille tes QTE. Ce sera probablement pas tout le temps la même touche. Qu'est-ce que... Hein? Pourquoi je suis à l'arrière? D'accord. Ouais. Alors je dois viser les têtes de bijoux. Ok, pourquoi pas bordel. Ok, ok, ok. Quoi? La blague. Ok. On va jouer plus sur l'esquive que sur le reste. Recharge, recharge, recharge. En fait, pour ceux qui se posent la question en se disant « Ouais, le Susanoo de Sasuke, il a changé », c'est le Susanoo de Kakashi. Hein, c'est pour ça, c'est marqué en haut à gauche. Non, je préfère le dire parce que... On sait jamais. Ok. Donc l'esquive fonctionne bien mieux que le reste. Bon, le combat se passe... voilà. Il se passe comme il est censé se passer. Maintenant, on n'aura pas le rang S. Mais si on peut au moins faire le rang A, ça serait cool, quoi. Parce que vraiment, le rang C de tout à l'heure... Caca. Allez. La dernière tête. La dernière tête. Yes. Ok. Vas-y, go, 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 go. Bordel, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Oh là là. Oh là là. Oh là là, vas-y. C'est bon. Putain, mais quoi? Mais comment t'esquives ça? Ah, il y a des attaques... Enfin, je veux dire, si t'as pas mené le combat une première fois, je te demande quand même comment tu peux gérer, hein. Vas-y, 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 vas-y. Ok. C'est bon, ça se passe, ça se passe. En fait, je me demande si les têtes de bijoux font pas office de Susanoo, en fait. Rappelez avec Madara, justement, c'est un peu le même délire. Vas-y, 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 vas-y. Non. Ok, vas-y. Ah, il en reste plus qu'un. Je sais plus son nom, pourtant je le connaissais en plus. Allez. Ah. Non. Ah. Cogno, ça pique. Ok, ok. Non. Yes, ok. On a fini un objectif bonus, sachez-le. Donc ça veut dire que ça se passe bien. Concentration, concentration. Allez, c'est le moment. Susanoo. Eh bah parfait. Incroyable. Rang A. Merveilleux. Fantastique. Fantabulistique. Kakashi-sensei. Daijoubu ka?
どうやら限界が近いようだ。だがさすがのやつもあれだけダメージを与えれば。え、何あれ。あれってば、俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれはだ、大丈夫かい母さん。もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。チャクラを一つに、チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、ヤツの言う終わりの道とやらを歩く気は。これっぽっちも当然だ。忍びの歴史ってのはな、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜ、サスケ、サクラちゃん。うん。行け。Et c'est reparti pour le show, messieurs dames. Peut-être le round final, en tout cas cette fois-ci. Oula. Ok. On est sur Mars. Les choses se passent. Blablabla. Bien. On va tenter de mieux la gérer que tout à l'heure, hein, parce que voilà. Le rancer une fois, pas deux, si possible. Non mais, la blague, c'est pas vrai. Je gère mais trop mal mes permutes. C'est chaud, hein. C'est chaud, regardez. Regardez la vie qu'à me faire. Bon, après c'est le boss final. Enfin, voilà, vous m'avez compris. C'est l'un des boss finales. Parce que forcément, il reste un truc derrière, vous l'avez vu vous aussi tout à l'heure. Ah, il y a encore un segment. Ok. C'est chaud, c'est chaud. Bordel, j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal. Ok. Ok, bouffe. Ah mon dieu, tellement d'intensité dans une attaque et pourtant si peu de dégâts. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Quoi? Oula, 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 oula. Calme-toi. Calme-toi. Non mais... Ok. Oh, oh. Oui, non. J'avais fini mon combo. Je te déteste. Pour une fois. Alors on recommence. À droite cette fois. Super, super, super. Ok. Yes. C'est passé. Me concentre, hein. Me concentre. Vas-y, 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 vas-y. Allez l'équipe 7. Allez l'équipe 7. Même si c'est compliqué. On va le bouffer mon... Ah. Non mais... Ouais bon, Ma vie. Ma vie. J'ai perdu de la vision de la merde. Bon, j'avoue que tout à l'heure le rancé qu'on s'est tapé, il était ridicule au possible. Mais si cette fois on peut essayer de l'assurer un peu plus, ça serait bien, non? C'est ce qu'on veut après tout. Parce que surtout que je pense pas qu'il y ait plus de deux combats. A mon avis, après celui-là, on devrait être pas mal. Ah mais apprends pas les coups en fait. Ah d'accord. Donc c'est le moment où, si tu veux te reposer ou même regagner du chakra, bah t'en profites. Plutôt que de foncer dessus pour rien là. Oula. Ah recommence. Ah recommence. Là.
Ok, calme. Ok. Yes. Allez, go. Non mais... C'est pas vrai. Mange. Je parle pas beaucoup, hein, je me concentre. C'est très la concentration. C'est très la concentration. Ok. Allez! Mange! Faut pas foncer sur les projectiles, faut les éviter. Oui, bon, ça va! Je fais ce que je peux. Non, non, mais c'est vrai que c'est terrible en plus parce qu'elle a qu'un seul pattern. Et pourtant, je suis encore capable de me le bouffer. Surtout qu'il est facile en vrai. Hein. Oula. Par contre, c'est la première fois qu'elle me le fait à l'envers. Ça, c'est chiant. Je vois rien du tout. Alors là, je vous le dis, je... Là, c'est la panique. Soy. La blague. La blague. La grosse blague. Allez, allez. Non, 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 vas-y, vas-y. Yes. C'est une première, je crois. Mais oui. On n'a jamais activé le mode Fury. Oh là là. Et c'est fini. Oh la blague. Naruto, j'unbi wa ii na. Ah. Allez, le final coup! チャクラのそであるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。 なんていうのかな。 お前らの第一印象は 嫌いだ。 今のお前らは。 大好きだ。 時間かけやがって。あれ?でもこれで全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ?あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で戻してもらえる。
4人とも無事なようだな。ミコドの王子じゃ、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。そのチカラを使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな。ナルト、サスケ。 そしてサクラとカカシ、よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ。お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからもおじいちゃん、 それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか。よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸転生を下実する。共に戦った者であっても、 いつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど仙人様に言った言葉、信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うように、あとは後の者どもに託すとしよう。 マダラ、行くのか。お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢も繋がっている。急ぎすぎたな、マダラ。俺たちの代で 夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ、俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。 消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。サンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよく分かった。 クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまにコノハの温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それから、 母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すおかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。しっかりやってんだって。 分かった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍界大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、
各々の思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。 Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai marre. Voilà, c'est... Voilà, je remettrai pas la cape. Mais vous vous doutez déjà pourquoi. Oh, bordel. Je n'aime pas... Enfin... J'en ai marre. En ce moment, je pleure sur tous les jeux qu'on fait. Ça me saoule. Oh, bordel. Bon, messieurs, dames, le dernier combat, l'ultime combat contre Kaguya a été mené. Ça s'est très bien passé, en tout cas pour la seconde partie. Même si, encore une fois, je rappelle, hein, la partie avec Obito, Sasuke, Sakura et Kakashi, c'était totalement voulu de perdre et d'utiliser la pilule rouge de Morpheus. Il nous reste, cependant, vous le voyez, une dernière mission à faire, mission qu'on verra dans l'épisode prochain et qui, du coup, annoncera la fin officielle de cette anthologie de LP, de cette anthologie de série, même s'il nous reste du contenu à faire sur le jeu. Parce que là, on a fait le mode histoire, mais il y a aussi le mode aventure, et puis par la suite, il y aura le DLC avec Road to Boruto, qui est en fait l'histoire du film, tout simplement, avec Boruto, son fils. Mais du coup, voilà, très 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 content de la manière dont ça s'est passé. On a plutôt bien géré le boss en mode Susanoo style, donc Kakashi, contre la déesse lapin. Ah, franchement, ce QTE de fin était excellent. Selon moi, par contre, il manquait juste un truc. Ce petit truc qu'on a eu sur tous les gros QTE. Vous savez, c'est ce moment où, comment dire, il y a un espèce de cercle qui part de l'extérieur de l'écran et qui revient sur l'intérieur. Cette espèce d'intensité de QTE qui te donne l'impression d'avoir appuyé pile au bon moment, ça, y avait pas. Mais à la limite, c'était le seul truc. Pour le reste, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Je vous fais de gros gros bisous, je remettrai la calme la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, c'est jusque là, il me faut 2 minutes, hein, soyez gentils. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, messieurs dames, pour l'épisode final du mode histoire. Ciao tout le monde.